Aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'un d'entre vous. Donc, c'est Bernard qui m'a envoyé un petit message et qui me dit est-ce que tu peux nous parler de la relation mythique que entretenaient certains photographes avec leur appareil photo? On connaît tous des couples mythiques qui vont être, par exemple, Cartier-Bresson et le Leica M3. On connaît tous, je sais pas moi, Doisneau et son Rolleiflex. On connaît tous Plossu et son Nikkor Mat ou McCurie et son Nikon F. Et donc, dans la tête des gens, je sais pas moi, on aime Cartier-Bresson, par exemple, et on se dit, donc le meilleur appareil photo du monde, celui qu'il me faut, celui qu'il faut que j'achète, c'est le Leica M3. On se dit, voilà, je sais où mettre mon argent. Et sauf que c'est pas tout à fait ça, et on va détailler rapidement plusieurs éléments. Alors premièrement, Monsieur Cartier-Bresson, il a pas fait toute sa carrière et avec un Leica M3. Pour une raison simple, c'est que quand il a commencé à faire des photos, le Leica M3 n'existait pas. Et puis quand il a été en fin de carrière, le Leica M3, c'était bien, mais c'était un peu un vieux machin. Et Leica, ils avaient sorti de nouveaux appareils. Donc, d'abord, il n'y a pas un appareil photo. Moi, j'ai pas fait toute ma carrière avec un appareil photo. J'ai commencé mon premier appareil photo il y a très longtemps. C'était un appareil photo Sigma. Sigma, ils font aussi des appareils photo. Et donc, en 1997, c'était un Sigma. Voilà. Et puis après, j'ai eu plein de choses. J'ai même eu un Olympus. Et puis j'ai travaillé après. Je me suis un peu spécialisé. Donc, j'ai commencé à travailler avec des appareils photo un peu plus performants. Donc, je travaillais en Canon. Puis après, je suis passé en Hasselblad. Et puis après, je suis passé en Phase One. Donc, voilà. Donc, si, je sais pas, moi, vous aimez mon travail et que vous vous dites, Nat Sakura, elle travaille avec un Phase One IQ4 et c'est l'appareil photo qu'il me faut, vous allez au devant de pas mal de désillusions parce que je fais mes photos actuellement avec ce type d'appareil photo. Je travaille aussi au Canon 5DSR que je considère comme une des plus grandes réussites de Canon, mais c'est pas parce que vous avez l'appareil que vous saurez le faire. Mais c'est surtout, c'est par hasard en réalité. Tout ça, c'est du hasard. Allez, en gros, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec des Canon. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que un jour, on m'a mis un Canon entre les mains. On m'a dit, c'est ce qu'il faut que tu achètes. Donc, j'ai acheté des Canon et donc, du coup, j'ai eu des objectifs Canon. Donc, j'ai continué à travailler avec du Canon. Mais ce qui fait le côté mythique de la liaison entre un photographe et son appareil photo, c'est un peu comme des chaussures. Vous savez, les chaussures, au début, on les achète, elles font un peu mal aux pieds. Puis après, au bout de quelques mois, on est bien dedans, on est confortable. Et en fait, un appareil photo, ça doit être une extension de la main et de l'esprit du photographe. Et comme ça doit être une extension de la main et de l'esprit du photographe, eh bien, il faut que ça soit le plus simple possible. Je veux gagner 2/3 de diaph, il faut que mon doigt, il sache où aller, dans quel sens tourner. Il faut même pas que je réfléchisse, en réalité. Quand vous commencez à bien utiliser votre appareil photo, qui devient une extension de vous-même, eh bien, vous posez plus la question. Et donc, quand vous êtes en reportage, eh bien, il faut que, en une fraction de seconde, vous ayez gagné vos 2/3 de diaph en vitesse, en temps ou en sensibilité. Vous savez, vous voulez changer la mise au point, vous savez où est l'autofocus, où est la mise au point manuelle. Enfin, vous savez tout, quoi. Donc, en fait, le côté mythique de ce lien-là, c'est juste parce qu'à un moment donné, un photographe a trouvé une situation dans laquelle il était confortable. Mais c'est pas parce que vous avez un Rolleiflex que vous faites des photos aussi bien que Doisneau. C'est pas parce que vous avez un Leica M3 que vous faites des photos aussi bien que Cartier-Bresson. J'ai regardé un petit peu au cours de sa carrière ce qu'il avait utilisé comme appareil photo. En 1932, c'était le Leica 1. Alors, c'était le modèle C du Leica 1. En 1935, on le voit sur une autre photo avec un Leica 2. Ensuite, on le voit avec un Leica 3G. Ensuite, on voit le M3. Quelques années plus tard, on le voit avec un Leica M4. Et dans les années 70, on le voit avec un Leica CL. Et puis, il paraît, alors j'ai pas trouvé la photo, on le voit travailler avec un Minolta CLE. Il a utilisé plein d'appareils photo et c'est comme si vous disiez, je vais acheter un Minolta parce que Cartier-Bresson travaillait avec. Si vous aviez un Minolta et que vous le maîtrisez parfaitement bien et que vous avez une bonne connaissance des techniques photographiques et que ça devient une extension de vous, eh bien vous ferez des photos magnifiques au Minolta. Pareil pour Nikon. Excusez-moi, je parlais d'appareil photo, pas de climatiseur. Donc pareil pour Pentax par exemple. Ce qui compte, ce n'est pas l'appareil photo, je le répète à nouveau. Ce qui compte, c'est que vous maîtrisiez suffisamment un outil pour vous l'accaparer, pour que ça devienne le lien absolu, simple,
entre vous et les choses. C'est comme quand vous marchez. Vous marchez, vous vous posez pas la question du fait que vous allez d'abord avancer le pied gauche, ensuite le pied droit. Vous posez la question quand vous commencez à apprendre à marcher, que vous êtes nourrisson, et vous commencez à vous reposer la question quand vous êtes très vieux et que vous avez mal aux jambes et aux hanches et que là vous dites « Ah, c'est difficile ». Arrêtez le matériel, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est bien maîtriser les techniques. Si vous comprenez bien les techniques et que vous les avez digérer, ben vous allez rendre compte que vos photos elles vont devenir infiniment plus belles pour une raison simple, hein, c'est que ben voilà, vous êtes vraiment dans la création et la création c'est l'absence de difficultés entre vous et l'univers. Créer quelque chose qui va être le plus proche possible de vos envies, de vos désirs, de vos rêves. Voilà les amis, donc les appareils photo mythiques, c'est très bien, au musée, c'est joli, ça permet d'avoir des sujets de discussion dans les clubs photo en disant « Ah, est-ce que le M3 est mieux que le CL ?» C'est magnifique, ça donne des sujets de conversation, mais en photographie, c'est pas ce qui compte. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions, j'essaie de répondre à tout le monde. Ciao les amis.